Salut à tous, c'est bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou ben, Ça va très très bien et toi Ça va très très bien. On se retrouve pour une vidéo qui nous a été pas mal demandée ces dernières semaines, de, euh, depuis, euh, depuis avant ça euh, Seven, depuis le Kaldheim Championship, je dirais, environ, hein, euh, environ cette date-là. C'est une vidéo budget, mais pas n'importe laquelle. Deck budget oui. général de Gaulle. et non, pas du tout. Deck budget euh, en historique. Est-ce que c'est possible Alors oui, mais attention, voilà, on va commencer par un petit disclaimer euh, pour éviter que des gens commentent directement. Oh la vache, deck budget avec 24 rares Voilà, on sait, Alors, on sait qu'il euh, y a beaucoup plus de rares que dans les decks budget de standard. Aussi, on vous présente ça pour euh, ceux qui voudraient se mettre à l'historique, euh, tout en ne dépensant pas euh, 60 rares et 15 mythiques. Ce qui est peut-être le cas dans certains decks historiques, mais c'est quand même plus cher. C'est quand même plus cher que des decks budget standard et euh, ça marchera euh, euh, un petit peu. Euh, ça ne marchera pas comme un deck standard euh, budget, par contre, mais ça marchera pour gagner quelques games et découvrir le format. Donc voilà, petit disclaimer les decks coûtent quand même cher par rapport à euh, un deck budget standard, mais par rapport à un deck historique normal, ils sont relativement budget. C'est pour ça qu'on a, vous a fait une petite sélection de trois decks. Vous pourrez peut-être en trouver d'autres sur internet, nous en tout cas on a, on a déniché ces trois-là, on a buildé ces trois-là pour vous les présenter. Euh, et en plus on a essayé de faire ça dans la lignée des decks standard budget, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui, sont, euh, qui ont des bases en commun. Donc si vous avez créé euh, un de ces deux decks en budget pour le standard, il y a de grandes chances que vous puissiez l'améliorer pour euh, tester un petit peu l'historique si ça vous le dit. L'historique, ouais. est-ce qu'on vous le conseille d'en faire Non. Voilà, si vous êtes débutant, si vous êtes free to play, si ça fait pas longtemps que vous jouez, ne faites pas d'historique, c'est un format complexe, qui coûte cher, etc. Si ça vous euh, attire quand même... Bah, euh, voilà, vous avez des decks budget dans cette vidéo pour essayer, mais le but c'est vraiment pas euh, de vous présenter genre des decks pour que vous lanciez un historique si vous êtes euh, débutant free to play, non. C'est plutôt euh, parce qu'il y a une demande, il y a des gens qui demandent euh, comment faire, etc. Plutôt que vous vous tentiez de votre propre chef, de votre côté, et que vous fassiez peut-être n'importe quoi avec vos wildcards potentiellement, bah ça ça va un petit peu encadrer le truc et ça va vous aider, vous donner une ligne euh, directrice, directive, je ne sais pas. Euh, pour euh, éviter voilà, de crafter un deck euh, que vous auriez vu comme ça passer sur internet et qui sera peut-être forcément euh, cher ou pas bon, euh, ou les deux. Euh, en tout cas, si vous êtes free-to-play débutant, ne jouez pas en historique, contentez-vous du format euh, standard et du format limité, surtout du draft, notamment si vous êtes free-to-play, parce que c'est comme ça que vous accumulez des cartes pour faire euh, des beaux petits decks plus tard. Si par contre, ça fait quelques temps que vous jouez à Magic, notamment, je ne sais pas quatre euh, cinq mois au moins euh, et que vous avez euh, vraiment envie euh, de, de découvrir l'historique ces decks sont pas mal et si ça fait par contre six mois un an que vous jouez euh, là vous avez peut-être une petite réserve pour vous faire plaisir et là vous pouvez euh, essayer de craquer pour un petit deck sachant que vous aurez sûrement la plupart des cartes déjà dans votre collection euh, pour certains des decks donc ça vous coûtera euh, pas si cher que ça bah écoute, tu as tout dit. Voilà. C'était important pour nous de préciser que voilà. c'est un format qui cherche l'historique à recycler les cartes qui vont sortir du standard. Et donc, du coup, ça ne s'adresse absolument pas aux nouveaux joueurs. Ça s'adresse, comme tu l'as dit, à des joueurs qui jouent en standard depuis déjà pas mal de temps et qui voudraient upgrade leur liste euh, ou aller avoir d'autres sensations que, que le standard. Et donc, du coup, on vous a regroupé, comme tu disais, deux decks qui euh, vont être une évolution des decks budget déjà précités et un deck... Que l'on estime être, du, être budget, pardon, dans le référentiel de l'historique. Et en plus, qui est un très très bon deck. Exactement. Avant de commencer, du coup, à présenter les decks, petit pouce bleu, petit peu de confiance, ça fait plaisir. Vous êtes euh, beaucoup plus nombreux que d'habitude à mettre des pouces bleus. Merci énormément. Voilà, ça référence Merci. mieux les vidéos. Ça permet aux gens de, qui ne connaissent pas Magic de découvrir Magic. Si vous avez découvert Magic avec cette vidéo, coucou, allez voir la vidéo decklist standard budget pour commencer le jeu, parce que celle-là, du coup, comme vous avez compris, c'est pas fait pour commencer le jeu. C'est fait pour un petit peu plus tard. Euh, merci du coup euh, à l'anticipation de confiance. Merci aussi à Playin by Magic Bazaar, euh, notre sponsor Valet PL 2021. C'est le code sur la boutique 50% de points de fidélité. Ça fait plaisir. Ça donne des bons d'achat plus vite, en plus grand nombre, en quantité illimitée. Les bons d'achat, vraiment, frais comme ça, voilà. comme ça, vous en avez, et ça nous soutient si vous utilisez le code. Donc, merci beaucoup à tous. Et il y a également le lien d'affiliation Instant Gaming si vous voulez payer vos jeux moins cher et nous soutenir par la même occasion. Dans la description, ça fait très plaisir. Vous êtes plusieurs à l'avoir utilisé, et ça régale. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci énormément. Commençons par Cycling, le plus budget euh, des dinosaures. Et non, c'est pas un dinosaure. Euh, toutes les délices sont tombées au 1, bien entendu, comme toutes les délices budget qu'on présente, parce que euh, si budget il y a, euh, il faut qu'il y ait pas euh, 15 cartes de plus à crafter dans la réserve. Donc euh, c'est du BO1, mais c'est très bien pour commencer le BO1 en historique, pour découvrir, parce que le BO3 c'est encore plus complexe si vous êtes débutant, donc tant mieux. Ouais, Ça, après, après, effectivement, euh, ceux qui vont venir jouer en historique, la plupart du temps, c'est des joueurs de standard aguerris, qui ont déjà quelques mois de Magic Arena dans les pattes, et si effectivement vous jouez en BO3, vous allez directement jouer en BO3 en historique, mais dans ce cas-là, la plupart des cartes de side, euh, vous allez les trouver facilement sur Internet en vous inspirant des autres decks et des autres deck lists des mêmes colorités, et généralement ce sont des communes et des uncos. Donc voilà, c'était pas extrêmement pertinent pour la vidéo de vous présenter un side, mais franchement, ça sera assez facilement trouvable. Exact. Alors cette décliste, vous connaissez euh, déjà à la base, hein, Flamand du zénith. Un hein, gros coup de, de pelle, pong. Ou euh, coup de cloche, ça dépend, il y a deux écoles. Euh, on va cycler un maximum de cartes. Si vous avez joué, euh, si vous avez regardé nos vidéos euh, budget standard depuis euh, quasiment un an maintenant, euh, on présente euh, des versions de cycling puisque c'est vraiment un excellent deck budget qui ne comporte que des communes des zones co. Euh, pour la, la grande majorité. Là, il y a quelques nouvelles cartes comme euh, l'Expert Lamefeu, du coup, qui est une autre menace à 1, euh, qui n'est pas aussi puissante que le prospère mais euh, plus difficilement bloquable. Donc, ça peut être, euh, être meilleur dans certains match-up. Vous avez Proscription, qui est un superbe bon anti-bet, qui se recycle pour 1 mana aussi, euh, qui va exiler, enfin, anti-bet anti-permanent même, euh, et ça exile tout sauf les terrains, qui se rajoute à la decklist. Et surtout, le meilleur ajout, les Landes. 4 steps retirés, 4 cavernes oubliées ce sont des Landes qui arrivent engagées. Ça fait pas plaisir, mais qui se recycle. Et quand vous avez 8 landes qui se recyclent, qui étaient euh, ça qui bloquait le deck euh, parfois en standard, si vous avez joué en standard avec ce deck, vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire vous piochez trop de landes d'affilée, bah, vous faites pas grand-chose. Et bien bah, là, vous avez 8 landes sur tout votre mana base qui peuvent se recycler. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Il y en a même qui jouent des triomes en standard pour euh, essayer d'avoir quelques landes qui se recyclent quand même. Donc euh, avoir accès à ça, c'est vraiment très très cool. On a les passages que vous retrouvez de la decklist standard et les fonderies sacrées qui se rajoutent. Si vous n'avez pas les fonderies sacrées, c'est pas très grave, vous pouvez mettre des basiques à la place. Le deck sera moins fonctionnel, attention. Mais voilà, c'est une concession que vous pouvez faire. Concession que vous ne pouvez pas faire, par contre, c'est celui qui est creux. Hollow One en anglais. Pour 5 manas, on a une 4-4 qui coûte 2 de moins pour chaque carte que vous recyclez ou défaussez ce tour-ci. Donc vous recyclez 3 cartes, il coûte 0. Voilà, vous avez une 4-4 pour 0. Si vous en avez plusieurs dans la main, toutes coûtent 0. Vous n'avez pas besoin de recycler 2 pour chaque. Donc vraiment insane. Et il se recycle. Il se recycle aussi pour deux manas si jamais bah, c'est n'est pas une solution. Vous avez besoin de, de trouver un soleil accablant ou un flambant de Zénith. Très bonne carte. Excellente carte sur Hollow One. Ça et... vous fait une ouais. euh, sortie extrêmement punchy, bien plus punchy que les sorties de standard. Et à noter que là, même si on vous présente euh, une version budget, en fait, le main deck, à part donc la mana base et le side, euh, bah, c'est le deck en l'état comme il a été joué par Javier Dominguez au Caldem Championship. Donc c'est pas un demi-deck. Mmh. C'est pas une version nerfée de ce qu'on pourrait jouer. C'est. La version de cycling que vous joueriez en historique sans le splash de verre pour le side et donc du coup sans les quelques terrains rares que, que l'on devrait rajouter. quoi. Yep. C'est extrêmement fonctionnel comme, comme decklist, très puissant, très proactif et qui peut faire des sorties extrêmement méchantes avec celui qui est creux. Mmh. Et comme tu allais le dire, le dernier ajout aussi c'est le soleil accablant qui va permettre du coup de gérer les bords de créatures en historique. C'est ça. Se qui se recycle et qui a le bon goût de ne pas tuer euh, vos celui qui est creux. Euh, puisque ça ne fait que 3 blessures et la plupart du temps ça ne tue pas non plus les renards puisqu'ils vont être rapidement euh, plus gros que ça donc très très bien ensuite on va parler de rogue voilà rogue alors ceux voilà qui ce rogue pouvez passer au troisième deck directement voilà, je sais que vous êtes parmi euh, parmi nous ah oh, non rogue encore mais il a pas de crabe il n'y a pas de crabe non, c'est plus un deck tempo cette fois-ci plutôt qu'un qu deck meule, même si vous avez des plans de jeu qui vont, euh, qui vont gagner à la meule grâce à, votre, à vos argousines et à vos voleurs dépensés. Encore une fois, c'est un upgrade de la version budget et de la version standard qu'on vous a présenté euh, sur la chaîne. Et donc, du coup, si jamais vous jouez en standard depuis quelques mois et que vous avez acquéri Rogue, il y a beaucoup de gens qui commencent par ce deck-là parce qu'il n'est pas très cher et très intéressant dans ces mécaniques et bah du coup pour vous sauter le pas en historique ce sera pas très très cher, pas très très coûteux en fait c'est à dire mmh. que même si vous avez pas les landes qui sont plébiscitées en historique qui rendent le jeu quand même beaucoup plus fonctionnel catacombes noyées et tombes aquatiques vous pouvez garder vos temples et vos passouets euh, que vous avez euh, en standard et quand même jouer à la liste en historique ça serait un peu moins bien mais ça reste possible et globalement c'est exactement les cartes que vous avez en standard mais on va rajouter les bonnes archives mystiques que mmh. sont le remue mélange le trou de, de mémoire et euh, l'inquisition de Kozilek alors, évidemment, on peut encore euh, switcher si euh, et là quelques cartes. Si vous n'avez pas de trou de mémoire, vous pouvez quand même garder vos deux, euh, les, euh, les spells que vous joueriez en standard actuellement. Ça peut être des mystical dispute, des negate, des euh, essence-cater, euh, au choix, au besoin, pour le coup. Remue Ménage est quand même vraiment très puissant en historique. Donc, si vous avez quand même quelques jokers, c'est pas mal de les investir dedans. Et si vous avez déjà des saisies dépensées, vous pouvez faire quatre saisies dépensées plutôt que deux saisies dépensées et deux inquisitions de Kozilek. que les archives vous les ouvrez dans les boosters strict 7 que vous avez ouverts pour le standard. Donc, même si la décliste paraît un peu chère, c'est quand même assez fonctionnel pour un joueur de standard de transiter de Rogue en standard à Rogue en historique. Exact. Euh, pour un euh, titre comparatif, euh, la première décliste qu'on vous a présentée, il y avait 7 rares euh, sans compter les terrains. Donc, on va dire 11 rares, puisque les 4 passwords, il y a de grandes chances que vous les ayez déjà si vous avez commencé Magic euh, avec Cycling ou que juste que vous jouez en standard. Donc, 11 rares pour un deck historique qui va quand même rosser, c'est vraiment pas cher. Euh, surtout que sur ces 11 rares, il y a 4 terrains qui peuvent être remplacés. Là, il y a 26, 25 rares en tout, en comptant les russes. Euh, on va compter 24 rares, parce que les russes, il y a de grandes chances que vous l'ayez, il en faut qu'un. Euh, encore une fois, vous pouvez rajouter, comme Dival, des temples, des passways, surtout des passways à la decklist pour économiser quelques rares là. Et euh, ces 10 rares là sont vraiment euh, très facilement trouvables dans les boosters 6-7 si vous en aurez quelques-uns, ou en draft. Donc pour le coup, même si ça fait un peu peur, comme ça vous dites, oula, 26, 24, 25 rares pendant le budget, non merci. Ben, regardez dans votre collection, et avec quelques semaines, quelques mois de jeu, vous serez vraiment pas loin d'avoir ça. A noter qu'en plus la decklist, je ne sais pas si tu as précisé, mais elle n'est pas beaucoup amputée par rapport à une version euh, compétitive. Non, non, là les seules choses qui ont été amputées, c'est des euh, lands fonctionnelles type euh, Castle Lock Twain ou eveil d'Agadim, et le side, mmh. sinon euh, c'est exactement la decklist euh, qui sera jouée euh, sur, le, sur le ladder et en tournoi compétitif en historique, le but quand même c'est qu'on vous présente des decklists qui soient solides on préfère vous présenter des decklists solides qui nécessitent un petit peu de rare, plutôt que de vous donner des mauvaises versions qui ne marcheront pas en historique mmh. on le rappelle, il faut rappeler le référentiel de ces decks là, ce n'est pas euh, pour tout le monde, si vous débutez sur Magic Arena, que vous êtes en free to play euh, que vous venez à peine de lancer le jeu vous ne jouerez pas en historique tout de suite, quoi. On vous présente quand même des choses qui marchent, qui demandent un peu d'investissement. Mais si vous êtes joueur de standard depuis quelques mois, l'investissement est minime. Vous avez jamais 24 heures à crafter pour jouer rogue en historique si vous jouez en standard depuis quelques mois. Zach ça qu'il faut préciser, quoi. Troisième deck. Et troisième deck. Qui et troisième est, euh, deck. Probablement le, le plus puissant euh, actuellement, c'est-à-dire IZ Phoenix. Mm. Donc, pareil, on a dégrossi, on a facilité la mana base. Normalement, vous allez jouer euh, plus de, plus de landes. Il y a les check landes que vous pouvez jouer si vous les avez euh, en historique. Il y a aussi les passways. Globalement, ce deck-là, plus il aura de bilan, plus il sera stable. Là, on est resté sur les classiques du classique. Le canal du belvédère et les conduits de vapeur. Évidemment, si vous n'avez pas ces bilans-là, vous pouvez jouer les autres. Du moment que vous avez des bilans qui arrivent dégagés. Eh ben, jouez-les, ça sera bien dans cette version-là. Et globalement, pareil, sur le main deck, on n'a pas fait de concession. Ce sont des decks d'historique dans un power level, dans un format qui est fort. Et on ne va pas faire de grosses concessions pour amoindrir la puissance des decks. Euh, le tout, c'est que si jamais vous investissiez dans ces decks-là et que vous passiez en historique, eh ben, ils soient fonctionnels et puissants. Et euh, c'est ce qui se passe pour la decklist dans son main deck. Exact. Euh, attention, ceux qui vont importer du coup la decklist, euh, choc et option, vous pouvez les trouver en commune. Si vous voulez économiser un petit peu, euh, là, ça va vous importer avec euh, euh, l'option archive, mais vous pouvez, euh, pour les archives qui existent autrement, les remplacer bien évidemment pour ne pas utiliser des jokers unco à la place de communes si vous ne les avez pas. Et ouais, comme tu disais, c'est des listes pas du tout amputées, et pour le coup, même s'il y a 4 mythiques, alors qu'il n'y avait pas 4 mythiques dans le crog, ça va moins cher que le deck rogue, ou cumulé, puisque c'est plus facile d'avoir 4 mythiques et une vingtaine de rares, il me semble, plutôt que d'avoir euh, 24, 25 rares. Que... Ouais, bah tu as souvent un mix assez égalitaire ouais, entre exactement. les mythiques et les rares, ce qui fait que quand on te demande trop de rares, généralement ils te reste des mythiques, ce qui est un petit peu contre-intuitif sur Magic Arena, mais c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Donc globalement, c'est pas forcément plus difficile en termes de Joker d'avoir Phoenix. Par contre, si tu joues depuis quelques mois en standard sur Arena, c'est plus facile d'avoir Rogue parce que ça correspond au standard actuel, alors que Phoenix Dark, ça sera plus pour les joueurs qui jouent depuis un an, un an et demi sur l'ancien format, l'ancien standard avant la rotation. Mmh. Yep, euh, petite présentation quand même de Phénix pour ceux qui connaissent pas, hein. le but, euh, même si on a fait une vidéo dessus, euh, c'est de jouer euh, des Phénix d'Arc qui vont revenir au cimetière en jouant trois sorts euh, d'effet mode rituel dans le, main, dans le même tour, donc en main phase 1. Et euh, à côté de ça, du coup, on a plein de spells à jouer pour que les Phénix reviennent, des tracés un cap, euh, des pièges 100 fois pour mettre les Phénix de notre main au cimetière directement, pour les réanimer ensuite, des remue ménages qui vont nous faire beaucoup de pioches, des H d'éclair aussi qui peuvent faire anti bet et euh, mettre le, le Phénix au cimetière. Euh, options, plié de flamme, choc, voilà, plein de, de petits spells. Et à côté, on a quand même une base agressive, euh, en plus des phénix, qui sont euh, le dorad du coup, qui va se puffer pour chaque spell que vous jouez. Donc, euh, si vous faites dorade tour 2, tour 3, vous jouez 3 spells pour animer le, le phénix, vous vous mettez une sacrée patate. Et l'entité à l'orage, qui euh, agit un petit peu comme un... Euh, pour combler les trous, on va dire, si vous ne pouvez pas réanimer de phénix au tour 3, par exemple, et que vous voulez faire une sortie très agressive, vous faites un sort et entité à l'orage, tour 3, qui est très très bien, genre Brainstorm, Entité à l'orage, qui enlève les deux cartes que vous avez mis au-dessus, euh, très bonne sortie, Dracon, Capitan, qui est presque du late game dans ce deck. Ouais, la, la carte Entité à l'orage, elle est vraiment très très bien, euh, comme tu le dis, pour être une menace supplémentaire, mais en plus parce qu'elle synergise super bien avec Romu Ménage, mmh. et remu Ménage, piège 100 fois, malheureusement ce sont des rares, on aurait préféré que ces archives mystiques-là soient dans commune. leur théâtre. Rare c'est à dire commune ou un -co. malheureusement c'est des rares mais elles sont obligatoires pour ce deck là pour le coup mmh. euh, mais l'avantage c'est comme ce sont des archives mystiques ouvertes dans strict 7. si ouais. vous jouez en standard vous en avez probablement une petite quantité du moins en ayant ouvert ouais. des boosters de, de standard donc voilà on voulait vraiment vous présenter une vidéo de deck budget historique qui est pas aussi budget que du standard mais qui est quand même accessible pour un joueur régulier de standard mmh. ça vous permet, c'est un pont vers ouais. l'historique cette vidéo en fait carrément et euh, petit big up au draft encore une fois, si vous êtes euh, free to play, euh, etc, n'hésitez pas à drafter, à regarder nos vidéos sur le draft pour vous améliorer aussi, euh, si jamais euh, vous vous sentez, vous sentez un petit peu frêle sur ce format, euh, parce que c'est le meilleur moyen de récupérer des cartes. Et remue-ménage et pièges sans foi, c'est très facile de les récupérer en draft, bien plus que dans des boosters classiques, puisque ce sont de très mauvaises cartes de draft. Euh, remue-ménage et pièges en foi, en général les gens ne les piquent pas, euh, sauf pour la collection. Et ce sont des rares, du coup c'est assez cool de les récupérer en draft, en plus du coup de, euh, de des autres rares que vous pouvez ouvrir et de la construction de votre pack, euh, notamment si vous avez aspiration à un jeu en historique euh, plus tard, bah, ne laissez pas passer au Ménage et pH en fois, parce que justement ça vous permet d'économiser des rares wildcards pour crafter des decks plus tard. Je leur conseille le, le rare pick du coup. Ah, mais si vous êtes free rare pick! Vous ne cherchez ah oui. pas, parce que c'est plus dur de faire euh, 3, 4, 5 victoires, plutôt que de juste prendre une rare qui se rentabiliser Si vous prenez une rare dans un booster, considérez que vous avez piqué 1000 gold, environ. Et du coup, vous dites, est-ce que je prends 1000 gold maintenant, ou est-ce que j'essaye de faire un meilleur résultat Voilà, prenez 1000 gold tout le temps, sauf si la rare est éclatée au sol. Voilà. Genre vraiment... Euh, si vous avez un truc euh, nul, 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 euh, qui sera jamais joué nulle part, je sais en trouver. Voilà, biome ancien, bantique. Bent si vous ne le jouez pas dans votre, euh, dans votre pool et que vous le jouerez nulle part ailleurs, vous prenez pas. Ça sert à rien. Autant prenez une bonne carte pour votre deck. Fin de la vidéo. Euh, Est-ce que Vol, tu as des trucs à ajouter Je crois qu'on le fait le tour. Non, non, pas du tout. Je suis très content qu'on ait proposé cette vidéo-là parce que ça nous a été beaucoup demandé. Sur les streams, on nous demande comment jouer en historique, quels sont les, les decklists budget. Ce qu'on répond toujours, c'est que bah, si vous débutez le jeu, ne jouez pas en historique. Mais c'est vrai qu'en se creusant la tête, en, en allant fouiller un petit peu et, et, et en trouvant ces decklists là qui servent vraiment de pont, de, de passerelle vraiment, si vous êtes joueur de standard, bah, on peut quand même apporter une vidéo, une vidéo comme ça. Et, bah, on est content de l'avoir fait, on espère que ça vous plaira et que ça vous permettra d'aller explorer ce format qui est riche, intéressant, profond, euh, qui est l'historique, qui est vraiment incroyable. Qui était vraiment au début exact. un format où on nos cartes de standard et qui maintenant devient un format compétitif à part entière et vraiment intéressant. Mmh. Exactement, ça fait très plaisir. Euh, tous les X mois, sans donner de date, on essaiera de refaire une petite vidéo euh, deck budget historique si la méta évolue et qu'il y a des decks budget euh, potentiels, puisque ces decks-là, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais il y a de, des chances qu'ils euh, ne soient plus à jour, qu'il y ait des nouvelles cartes à ajouter ou alors qu'ils ne soient juste plus compétitifs dans le méta historique au moment où vous regardez la vidéo. Du coup, on essaiera, euh, pas euh, tout, tous les mois non plus, mais euh, peut-être tous les 3-4 mois, euh, de représenter euh, des decklists historiques budget, si jamais ça vous a plu, s'il y a une demande euh, et qu'il y a un besoin, euh, bien entendu, parce que si ces decklists-là sont toujours à jour, il n'y aura pas de nouvelles vidéos, bien entendu. Euh, mais voilà, dites nous en commentaire, c'est important si ça vous a plu comme vidéo et si euh, ça vous dirait d'avoir des updates de temps en temps pour pouvoir justement continuer à ne pas trop dépenser et à quand même jouer en historique. Pouvez-vous, commentaires, partagez vraiment, ça régale. Réseaux sociaux dans la description Twitter, Facebook, Discord, ainsi que notre chaîne Twitch ValpL Magic, Val Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.